maintenant, c'est une brillante gymnaste que nous avons le plaisir de vous présenter aux barres asymétriques, Éléonore Couff. 1m50, 40 kg, 16 ans, gymnaste explosive. Son meilleur résultat obtenu au championnat du monde de Birmingham, où elle avait réussi un formidable exploit en terminant 8e du concours général. Éléonore Couff de Marseille également. À la parade, Mao, l'entraîneur chinois. Pour l'instant, tout va bien. Va-t-elle donner du rythme maintenant à son mouvement? Un agrément pour Éléonore, la barre asymétrique, ici la sortie double avant. Ah, petit pas de trop, très tonique, Éléonore Couff, parfois elle a du mal à maîtriser son énergie. C'est une gymnaste dynamite. Voilà, l'entraîneur chinoise dont je vous parlais, qui a pris en main l'élite de la gymnastique française avec M. Mao. Et au ralenti, on s'aperçoit qu'Éléonore Couff a donné un coup de fouet à son mouvement pour pouvoir réussir sa sortie. On va bien regarder ça. Voilà, ici, on va le voir maintenant. Voilà, le double avant. Double avant, mais petit pas de trop avec un fléchissement du genou gauche. Et c'est une sortie difficile à maîtriser car toutes les sorties qui finissent en rotation avant sont plus périlleuses du fait que l'on a moins de repères visuels, qu'on voit plus tard son sol et que les chutes sont plus difficiles à stabiliser de ce fait.